Salut tout le monde! Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Pascal et aujourd'hui, je suis pas maquillée. Et je m'explique parce que je m'attaque au Baby Makeup Challenge seulement en utilisant du maquillage pour enfants. Et puis par maquillage pour enfants, j'entends maquillage pour enfants, hein? C'est le qui glisse et qu'il y en a d'autres en dessous. Hein? Ils veulent tuer nos enfants! Donc sur ce, je commence! Et avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir plus de contenu diversifié. Laissez des idées de vidéos dans les commentaires ou simplement donnez des pouces bleus. Et pour rendre la vidéo un peu plus intéressante, oui. Je pense que la première fois de ma vie j'ai l'air autant brillante. Et ouais, vous allez me voir pas de lunettes. Priez pas. Tous les produits que j'ai achetés viennent du magasin Claire. C'est pas un partenariat, donc Claire, vous me devez de l'argent. Je vais commencer avec la palette juste ici pour remplir mes sourcils avec ce brun juste ici. Faut vraiment travailler pour avoir de la couleur là-dessus. Mon dieu! Je vais m'attaquer aux paupières, mais comme j'ai pas trouvé de primer, ben on va utiliser la couleur blanc. Juste ici. En espérant que ça va réussir à faire quelque chose au final. Honnêtement, juste avec du blanc comme ça, je viens de réaliser qu'il y a du brillant dedans. Fait que j'ai l'air d'une grosse boule disco. Donc vu que j'ai décidé de faire un make-up challenge pour les enfants, ben allons-y avec des palettes pour enfants de couleurs. Bleu. C'est sûr, je vais avoir l'air d'une Barbie ivrogne, mais c'est pas grave. Ça va être bleu. J'ai pris le bleu, que je savais qu'il y avait dans la tête. Ça sent ouvert à ce point. Donc je vais venir appliquer du blanc dans mon coin de l'œil. Je vais ensuite venir faire une petite ligne de couleur rose mauve en dessous de mon œil. Bon, ensuite, je vais faire mon liner, juste ici noir que j'ai trouvé ici chez Claire. Une autre chose de fait, on va prendre le mascara. Il y en a du produit là-dessus. Bon. On va s'attaquer aux fossiles. Oui, on met des fossiles pour cacher les erreurs qu'on a faites. Maintenant que les fossiles sont placés, on va passer au teint. J'ai trouvé du bronzer. Fait qu'on va faire un wannabe contour. Honnêtement, je sais pas ce que ça va donner. Il n'y a aucun produit. Here we go. J'ai trouvé aussi un petit tube de highlighter. Fait que ça, j'espère honnêtement, ça va sauver le maquillage au complet. Et on va finir ça avec un rouge à lèvres et un gloss. Sont sensiblement la même couleur. Ça sent le chocolat. Donc sur ce, merci d'avoir regardé ce challenge. J'espère que ça vous a au moins diverti pour le temps que ça a duré.
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé la vidéo ou que vous voulez voir d'autres vidéos comme ceci. Laissez vos commentaires dans la boîte de description en bas. Et aussi, n'oubliez pas de faire un petit thumbs up! À la prochaine! Bye! On aurait dit une araignée. J'ai l'air d'un italien. Wow. Mon job.